Un petit coucou ce midi pour t'annoncer un cours spécial pour tes pieds. Je sais qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas la température idéale que tu penses à aller sortir dehors. Si t'entends, il y a peut-être beaucoup de bruit dans mon téléphone présentement. Il vente, regarde mon arbre, il brasse au Québec. Mais c'est le printemps, puis là, la neige a presque toute fondue. Il m'en reste encore un peu dans mon jardin, moi, derrière. Mais on est à veille de pouvoir profiter du printemps pleinement. Puis on a le goût de sortir, on a le goût de sortir nos pieds. Moi, mes pieds, je les ai sortis dans mes cocottes de mon arbre ici. Je l'ai fait bouger. J'espère que je ne vous donne pas trop mal au cœur. J'ai fait bouger différemment, puis ils ont vraiment le goût d'apprécier de plus en plus la terre, les textures que m'offre le printemps et l'été, la saison estivale au Québec. Vendredi midi, j'ai un live direct pour t'aider à réintroduire tes pieds, à être de plus en plus à l'aise à être nu-pied, peut-être à aller courir si tu es du genre à être un coureur estival ou si tu as moins couru cet été, ou marcher. Tes pieds ont peut-être besoin d'un petit peu plus d'attention. Fait que vendredi, je vais te montrer une super séquence pour t'aider à améliorer tes pieds, qu'il y ait moins de problèmes dans la saison estivale, dans l'adaptation de la saison estivale, d'éviter des blessures aussi, de te faire des bobos et aussi de maximiser tes performances. Donc, d'éviter, si tu es d'une période de course ou si tu es un coureur, comme je te dis, estival ou un marcheur estival, ou même si tu fais du vélo, les chaussures de vélo, ça sert pas mal les pieds. Fait que si tu veux améliorer tes performances, ta fonction de pied, ben regarde-moi vendredi midi, heure de Québec. En France, c'est 18h10 que je serai là. Puis je vais te montrer une super séquence. Si tu ne sais pas encore, il y a un atelier qui s'en vient le 1er mai, expressément pour le yoga ball pour coureurs. Si t'es pas un coureur, mais t'es un marcheur, t'es un cycliste, ça va être aussi pertinent. Si tu veux améliorer la fonction de tes jambes, tes membres inférieurs, incluant tes pieds, ben ça te prend cet atelier-là de 2 heures qu'on offre pendant 2 semaines complètes aussi. Donc, si t'es inscrit, t'as 2 semaines pour le regarder autant de fois que tu veux. Hey, il fait froid au Québec, il vente tellement que ça shake que je suis obligée de tenir mon téléphone à 2 mains. Donc, je t'attends vendredi pour une mini-séquence sur les pieds pour sortir tes pieds de tes grosses bottes, de tes bottes d'hiver, sortir tes pieds de l'hiver. Je pense que c'est comme ça que je vais l'appeler. Et je t'attends aussi pour l'atelier yoga pour coureurs qui sera le 1er mai en direct. Puis tu as 2 semaines pour le réécouter. Fait que si tu n'es pas disponible dimanche le 1er mai, ben, tu peux aussi en profiter pendant les 2 semaines qui suivent puis l'écouter autant de fois que tu veux. Je te dis que ta saison estivale va vraiment bien partir si tu nous écoutes. Sur ce, je te souhaite un bon vendredi après-midi, pas vendredi, un bon mercredi après-midi, puis j'espère te retrouver bientôt. Moi, il fait tellement froid que je vais aller zipper ça, puis je vais aller me faire un petit thé pour me réchauffer. Bye!